Salut tout le monde, c'est MC vidéo sur Fortnite. Voilà, Fortnite, ça faisait très longtemps. Et en fait, j'y ai pas joué pendant 2 semaines et déjà, la nouvelle était bien vraie. Il y a les hélicoptères qui sont arrivés sur Fortnite, oui. Les hélicoptères sont enfin arrivés parce que je les attendais beaucoup aussi. J'espérais vraiment qu'ils étaient là parce que franchement, les moyens de déplacement de Fortnite, on va pas se mentir, il y en avait quasiment pas. À part le bateau et le tremplin. C'était le seul moyen. Bon, après, il y avait aussi l'eau, mais bon, l'eau, c'était pas très utile. Enfin, dans certains cas. Bref, du coup, let's go, on va commencer ça tout de suite, c'est parti. Et du coup, voilà, on est sur Fortnite Battle Royale. Et du coup, let's go, Battle Royale, let's go, on y va tout de suite, c'est parti. Donc, oh, donc, les actus. Tenue oppresseur, bon, d'accord, ça, c'est des trucs dans la boutique, hein, voilà. Oh, le voilà, l'hélicoptère. L'hélicoptère, Chopa. Je sais pas si c'est son nom ou c'est un truc chelou, je sais pas. Ou soit c'est le nom de la texture ou je ne sais pas quoi. Bref, nouveau véhicule, prenez de l'altitude, montez dans ce tout nouvel hélicoptère avec 4 coéquipiers et surprenez les équipes adverses avec la Chopa. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, c'est pas quelqu'un dans One Piece. C'est son nom, en fait. Du coup, ok. L'hélicoptère, c'est ce qu'on va tester dans cette vidéo, hein. C'est le truc principal, là. Donc, les jeux d'espions commencent. Participez à l'opération largage. Obtenez des renseignements pour déverrouiller des technologies à utiliser dans les différentes opérations. Testez tous les nouveaux gadgets. Quoi? C'est quoi, ça? Est-ce que vous le voyez? Ah non, vous le voyez pas. Regarde. Il est juste là. Il est sur le bureau. Il est tranquille là. Il est en train de squatter les petits trucs là sur le bureau comme ça. Il est en train de regarder tout ce qu'il y a. Il regarde l'écran et tout. Oui, ça que. Ça va. Vas-y, parle le micro. Bref, ok. Oh, jeu d'espion. Wow. Bienvenue dans le jeu d'espion. Votre mission, faire des parties d'opération et capturer des renseignements. Chaque renseignement permet de déverrouiller les technologies du fantôme ou de l'ombre. Les technologies obtenues s'utilisent dans les parties d'opération. Changez d'allégeance à tout moment pour tout déverrouiller. De nouvelles opérations et technologies seront ajoutées pendant la suite des jeux d'espion. Bien sûr. Oui, d'accord. Mais du coup, je dois choisir entre ombre et fantôme. Moi, je sais pas, j'aime le 2. Pour de vrai, moi, je sais pas pourquoi, mais je préfère fantôme. Mais si, j'ai fantôme. Mais ombre, pour de vrai, c'est super aussi. Non, mais je sais pas quoi choisir. Bref, vous savez quoi? Je pense qu'on va prendre ombre. Ombre, pour de vrai, ça m'a l'air correct. Parce que, pour de vrai, c'est bien ombre. J'aime bien ombre. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Wow. Ah, il y a des technologies différentes qu'on peut avoir dans fantôme et ombre. Ah, d'accord. Du coup, en ombre, on peut avoir pistolet mitrailleur en départ, préparation renforcée, bazooka à bandage, d'accord, armurerie portable. Bref, ok. Ce qu'on va faire, c'est jouer. Et là, on va aller dans le nouveau mode de jeu. Parce que, franchement, j'ai envie de voir, il est comment? Opération de largage, d'accord. Allez, let's go, on va commencer sans plus tarder. C'est parti. Voilà, on est dans la game. On est en section d'ailleurs. Je pense que j'ai fait combler en fait. Ça doit être pour ça. D'accord. Donc il y a marqué objectif 150. C'est les kills. Je pense que c'est ça. D'accord. Lancement du bus de combat. Waouh. C'est tout petit comme ça. Comment on va faire? Je vais essayer une technologie disponible. Ok. Une discrétion. Vous pouvez vous déplacer plus vite en étant accroupi. Et on a plusieurs pompes en plus. Préparation renforcée avec des munitions en plus. Et vous nagez plus vite. Je pense que je vais prendre vas-y, je vais prendre ça. Vas-y, c'est bon. J'ai choisi. D'accord, let's go. On va atterrir. Donc, prochaine technologie, 28, 26. Ah, il y a des technologies, genre, quand on fait des éliminations. Ah, genre, c'est carrément comme si on avait des super pouvoirs, là. D'après ce que j'ai un peu compris. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Fortnite. Vous pouvez le remarquer. Une nouvelle mallette de renseignement est disponible. Quelle mallette de renseignement? Ok, il est mort. Oh, mais la tempête, elle est trop rapide. C'est abusé. Non, mais je vais vraiment mourir. Je te déplace sur la map. Ah, ouais, je te déplace sur la map. Ah, il y a des mallettes. Ah, dans le loot là, il y a des trucs et on doit le prendre. Notre équipe doit le prendre. Choisissez votre technologie. Oui, il est apparu nulle part. Choisissez. Vitesse de rechargement. Vous rechargez vos armes plus rapidement. Mieux en même poisson. Discrétion. Vas-y, je vais prendre ça. Voilà. On a un petit pompe là. Ça fait plaisir. Oui. D'ailleurs, quelqu'un avait placé une mine. Je faisais quoi? Technologie disponible. Y'a quelqu'un qui me tire au sniper dessus ou quoi? Je pense que c'est le cas. Mais en fait, c'est comme fort d'empoigne, on doit faire le plus de kills, ça. Choisis. Je dois choisir entre tout ça. Vitesse de rechargement, nage thérapeutique, vous récupérez des PV en nageant. Oh, ça a l'air stylé. Une nouvelle mallette de renseignement. Vas-y, je vais prendre disponible. Ça. Yes, je l'ai tué. Il n'y a pas d'avion dans ce mode de jeu, je pense pas. Wesh. Il voulait jouer comme ça, lui.
C'est moi qui a modifié, j'arrive même pas à le tuer. Ah mais il y a plein de mallettes là. Ouais mais mec, c'est abusé. Une mallette de renseignement a été capturée. Pour de vrai, je me fais déglinguer en 2 secondes là. Une mallette de renseignement a été ramassée. Vas-y, prendre mine de proximité avec de la discrétion. Une mallette de renseignement a été capturée. Ils ont tous du shield sauf moi. Tous les ennemis ils ont du shield. C'est impossible qu'il y en ait un qui en ait pas. Ah non, lui il avait pas de shield. C'est un peu bizarre ça. Non. J'ai cru que j'avais un planeur et que j'étais en forme d'empoigne. On est en train de gagner ou c'est eux là? Wow. Yes, on a gagné 150 vs 148. On a gagné une partie d'opération de largage. Ou renseignement capturé, opération réussie. Ah, d'accord, mais du coup ça fait quoi ça? C'est ombre. Rang supérieur. Ah, on a des rangs carrément. Pistolet mitrailleur à tir rapide. Une arme de courte portée à la cadence de tir élevée. Wow. Moi j'ai réussi un défi en plus sans faire exprès. Yes, j'ai eu le planeur là. Le planeur Kaboom. Vous, ça fait longtemps que vous l'avez, je sais, mais moi je l'ai pas. Ah oui, ça c'est stylé. Avec le petit effet cartoon là. On va l'équiper, vas-y, de gauche. Maintenant, on va aller découvrir les avions. Oui, parce qu'il y a des avions. Oui, je vous l'avais dit avant. D'ailleurs, c'est des hélicoptères, je me suis trompé, c'est pas des avions. Pourquoi je parle d'avions depuis avant? Rassurez-moi, j'ai pas dit avion en début de vidéo. Il fait le Naruto One sur place. Bon, il y a un peu chelou. Ce qu'on va faire, nous. Bah, on est dans le lobby en fait. On est juste dans le lobby là. Ah, il y a un truc que j'ai pas visité. C'est la plateforme pétrolière ça non? Je suis déjà allé. Je sais pas pourquoi ça le marque comme lieu non découvert. C'est bizarre mais bon on y va tout de suite, c'est parti. Let's go, on va y aller. Ah ouais, premier atterrissage avec planeur Kaboom. Bon c'est plus un planeur mais bon. On va quand même appeler ça un planeur. Oh l'hélicoptère il est juste là-bas. Vas-y let's go, on va le prendre. A few moments later. Voilà, on va le piloter. Wow. Oh mais c'est trop stylé. Ah pour monter on doit appuyer sur la souris. Appuyer ou descendre, monter sur la souris. Oh match gauche on peut accélérer. Est-ce que ça accélère genre on va à 1 km? Non, ça accélère pas beaucoup. Oh, mais pour de vrai, c'est trop stylé. On peut pas tirer avec des armes. Ah ouais, c'est dommage. Non. Mon hélicoptère, il a failli tomber. Oh, il y a des haut-parleurs. Ok. Ah, je vois, c'est quoi les haut-parleurs? Quand on appuie sur B, là, les haut-parleurs, ça fait un gros bruit. Une musique. Eh, mais c'est pas une musique. C'est une musique d'un jeu là, mais je m'en souviens rappelle plus du jeu. C'est un jeu de tank là, un truc comme ça. En gros, on peut juste faire ça. Ça, c'est un peu dommage. Mais pour de vrai, c'est trop stylé un hélicoptère là, on conduit. Une banane qui conduit un hélicoptère. D'ailleurs, j'avais vu dans le trailer là, on pouvait tirer avec l'hélicoptère. Ouais, on pouvait tirer avec l'hélicoptère avec des miniguns qui étaient accrochés à l'hélicoptère. Mais bon, on peut tellement se déplacer, c'est trop stylé. Oh, pour de vrai, l'hélicoptère, j'adore. Mais j'ai une épreuve de Tentina, c'est visiter des lieux notables. Vous savez quoi? C'est ce qu'on va faire en fait. L'hélicoptère. Eh hey, mais les gars, regardez, il y a même un hélicoptère ici. Il y a des hélicoptères un peu partout, hein, je pense. Ça, c'est quelqu'un qui l'a pris, je sais pas. En fait, pour de vrai, il y a des hélicoptères partout. Oh, il y a un jeton d'explosion au passage. Vas-y, on va le prendre. Allez, on va prendre ce petit jeton d'XP. Juste espérant que personne va nous tuer. Allez, c'est bon, on prend. Même si c'est pas beaucoup d'XP, on peut prendre. Bah là c'est bon. Il est en train de me déglinguer là. Vous savez quoi, moi je me casse. J'ai pas envie de mourir. Là, ça forcément c'est un lieu notable hein, je pense. Ouais voilà, 14 sur 15. Et le dernier, il est où? Voilà c'est bon, j'ai visité tous les lieux notables. En plus il y a un jeton d'XP, vas-y. On va le prendre. Waouh. Trop beau. Non. Je suis en train de disparaître. Ah c'est bon. 2000 years later. Oh il y a un gars là-bas.
de me tuer. Et bon bah voilà, la vidéo termine, j'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos qui sortent. Je sais, je parle très rapidement, mais bon, on va faire avec. Il y a deux vidéos qui t'avaient juste ici, hein, comme d'hab, n'hésitez pas à les checker. C'est au projet de tout ce qu'on. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et peace.